Yo, l'autre fois, gros, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media dans là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois, visitez nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media now. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media now, là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je dis à son grand événement, c'est la première fois que l'aéroport international Port-au-Prince a recevoir un Airbus 350. C'est un avion dernier cri qui fait sortir dans la factory qui est tout neuf, qui est là pour le bonheur des passagers. Là où dans l'avion ça, système cabine avion, il régénère chaque 3 minutes. Ça veut dire l'air que nous avons respiré, il régénère chaque 3 minutes. C'est un avion qui permet que l'on arrive à Paris, par exemple, ou arriver dans des conditions qui vraiment bien. Ça veut dire, après que après 9 heures de temps, on a un décalage là, on va même sentir décalage, on va même sentir fatigue que l'avion généralement baille, un avion de long courrier baille, on va même sentir. Donc, après tout ça qui arrivait, pandémie, etc., et confinement, reconfinement, nous sommes très contents pour nous accueillir l'avion ça. Et c'est une promesse que Air Caraïbes a fait nous-mêmes ici en Haïti. Parce que l'année passée, en décembre l'année passée, nous avons fêté 10 ans depuis nous avons fait vol transatlantique, là, c'est-à-dire vol Paris pour au prince là. Et Air Caraïbes a décidé pour offrir nous un avion tout dans ça, justement pour le public là, mieux voyager. Et mais malheureusement, avec le pays là, avec le confinement, etc., il n'est pas possible avec la pandémie. Mais finalement, nous avons un avion ça et nous sommes très contents pour nous offrir clientèle haïtienne nous un avion ça. Avion ça lui-même là, actuellement, il prend 389 passagers. Il y a un modèle qui prend plus encore, il y a un qui prend 423 jusqu'à 478 passagers. Mais ça lui-même, modèle ça, c'est la quantité ça que le prend. Ce qui arrive, c'est que Air Caraïbes sont une compagnie qui croit dans offrir un bon service, mais en même temps qui pas cher comparé à l'autre avion. Donc ça c'est une bagaille que nous réputons pour lui. Par exemple, étudiants qui vont voyager, qui vont aller en Europe, qui vont travailler en Europe, généralement étudiants ça yo, l'autre compagnie pas bay mallette ou bien yo bay une seule mallette, Air Caraïbes lui-même lui offre deux mallettes. Donc son compagnie qui vraiment orientée vers la famille, donc nous toujours font façon pour billet nous yo pas aussi cher que l'autre compagnie. Ça. Par exemple, dans ADN, il y a des tarifs qui sont à $699 pour faire pour Port-au-Prince Paris. Donc, nous toujours jouer sur ça et c'est un point fort et en Caraïbes. Là, pour l'instant, nous gagnons deux vols par semaine, le lundi et le mercredi. Donc, ça veut dire, là, on a porté monde. Par exemple, nous gagnons plus que 300 passagers qui rentraient sous vol aujourd'hui. Et au départ, nous avons à peu près 255 passagers. Donc le lundi et le mercredi, jusqu'au mois de janvier, nous avons gagné deux vols. Après ça, c'est la basse saison, nous avons descendu à un vol. Et puis dépendamment de Jean Bagayo aller, comment pandémie, évolution pandémie, nous connaissons si nous avons reprendre avec deux vols ou non. Tous les jours, les clients ont relé dans le téléphone. Il y a des gens qui sont coincés à Paris, des gens qui sont coincés en Haïti. Et ils ont relé dans le téléphone, ils ont besoin de connaître qui l'on a pour reprendre. Mais malheureusement, son compagnie tout, qui croit dans respecter la réglementation. Ça veut dire que le gouvernement français a décidé qu'il y a pour reconfiner. À ce moment-là, nous-mêmes, tout nous avons décidé que nous suspendons le vol, juste pour nous sûr que nous ne pas aider dans la propagation de la pandémie en plus. Bon, nous-mêmes, nous prenons toutes précautions. Passagers dans l'avion, ils ont obligé de plusieurs masques chirurgicaux, parce que nous pas accepter l'autre masque. Donc, et puis de temps en temps, ils ont demandé pour laver les mains, etc. Et puis voilà, donc toutes mesures qui sont en place, c'est eux même tout que nous adoptons. Par exemple, l'avion sorti là, il va le Punta Cana, c'est là que gros nettoyage avion va le faire avant de repartir pour Paris. Pour clientèle là, nous disons nous comptons, nous comptons que vous retournez, que vous venez joindre l'igno, que nous venons vers eux même, tout comme eux même, vous venez vers nous-mêmes.
moi fait une rencontre avec la presse, avec les médias qui là et peuple haïtien en particulier, c'est pour nous capables de parler sur d'abord sur évolution et état d'avancement et bataille et moi-même et côté nous engager tout FONOD, qui c'est Fonds National des Organisations de Résistance en Haïti Stable Démocratique, dans le combat pour nous joindre justice pour mettre nos février d'Orval. Il y a plein de monde, comme je t'ai dit, avec la presse, et maintenant, et je continue maintenant, nous avons campé sous deux pieds pour que nous joignions justice pour mettre d'Orval, pour nous joindre les gens qui tuent mettre d'Orval là. C'est dans le contexte à matin, hein, et nous gagnons et pour nous répondre aux questions juge d'instruction qui c'est Renaud Régis sous ensemble des informations que moi m'estimais que je suis capable de partager, je suis capable de contribuer, je suis capable de porter by la justice comme des indices pertinents, palpable, utile pour enquête que la justice a mené sur l'homme mort, Maître Montferrier d'Orval. Donc, comme je dis, comme je dis déjà, Jean-Léopold Dominique pas joué une justice parce que la presse pas engagée dans la bataille pour Jean-Léopold joué une justice. Ça vient de faire, nous vient de gagner et Jacques Roche, chaque date Jacques Roche arrive, nous avons fait capital politique, nous parlons de Jacques Roche, nous parlons de Jean-Dominique. Je parlais de Bruyol Lindon, je parlais de la grandeur, je parlais de toute l'autre Pétion, etc. Mais vous pas senti une véritable solidarité à journaliste qui mouille, qui t'a pour permettre que l'on ait du côté un journaliste dans le cadre d'exercice fonction, dans le cadre de travail, pour manifester respect vis-à-vis de l'engagement, le risque qu'il prend pour informer la population. Eh bien, c'est presque idem. Il y a des gens qui croient, depuis Maître Dorval, ils ont fini tout Maître Dorval, ça passe même j'avais tout l'autre, et puis pape de suivi dans la bataille Maître Dorval. Moi-même, je dis déjà, il y a des assassins qui ont fait menace, qui ont intimidé, sous question, mettez-moi à la disposition de la justice pour me témoigner, pour me parler, pour me porter information. Je me dis, je parle avec eux déjà. Je dis, heureusement, je n'ai pas Maître Dorval. Heureusement, je n'ai pas Brignol Lindon. Heureusement, je n'ai pas Jean-Dominique. Et heureusement, je n'ai pas Moutouillé déjà. Nous sommes combattants, nous sommes militants, et nous avons fait résistance avec n'importe troupe assassin. Parce que assassin qui tue Maître Dorval là, il y a psychique, il est confortable, il a senti qu'il a pouvoir, il a senti qu'il est à l'aise. Comme, d'après toute information que j'ai, maître et magistrat instructeur qui a instruit dossier Maître Montferrier d'Orval, c'est un juge techniquement compétent. M'a prié mon Dieu pour qu'il ait conscience politique, pour qu'au moins nous fassions lumière sur l'assassinat. Ça c'est une. Deuxième point, c'est pour un côté, moi estimé, même le dénoncer tout, bon campagne de déstabilisation, bon campagne de mangeur d'hommes, nous a dit, une campagne de comment pour manger tout le monde qui était proche PHTK. Comment pour manger tout le monde qui te bataille, qui menait président Jovenel Moïse sous pouvoir? Comment détruire le monde qui était fidèle avec vision idéologie président Jovenel Moïse? Nous avons un camarade, nous-mêmes, pas mon, tant qu'on dit, qui prend des positions, des fois, intéressées. Je fais bataille intéressée, même fais bataille en fonction de ça me connaît et ça me vive, monsieur dame. Moi, j'ai un camarade que je connais quand c'était combat
qui le menait et qui continue de mener dans le département nord-est, qui moi-même, époque bataille président Jovenel Moïse, pour te permettre, et je voulais lancer un appel par le président Jovenel Moïse. Encore, président, je ne dis pas frère, mais je dis supporter, je dis au monde que vous connaissez, au monde que vous habituez à une conversation avec lui, au monde que vous connaissez niveau d'engagement envers vous-même. Nous besoin encore de président sans gagner avec monde qui supporte ou. Parce que nous sentons un combat qui a mené contre monde qui supporte ou, et vous fermez yeux, vous ne dites rien, vous acceptez. Je regarde un camarade là qui est fanaise et la guerre dans le département nord-est, c'est ça, qui est responsable, ça, et, comment vous le bureau ça, PNCS, bureau et c'est programme. Cantine scolaire. M'a regardé deux monde qui rançonnaient président Jovenel Moïse, qui sénateur, qui est pour APN, pour SONAPI, pour santé publique, pour la douane, pour dépêcher tout ça qui est. Même là, même petit code de tabac pour permettre de supporter militants, il prend. Or, m'a regardé. C'est comme si mon président Jovenel sentit plus confortable à mon cap de tuile, qu'elle fait solidarité, qu'elle manifeste alliance, rapport, qu'elle croit moun qui décide à jusqu'au bout avec elle. Moi-même, tant qu'on me dit, camarade Fanaise, qui n'a PNCS, c'est un militant, son femme, une femme, que je ne connais pas pendant, parce que je n'ai pas mal dans le bureau pendant ma vie. Pas de bagaille direct moi-même avec. Ou quand j'en parce que j'ai un pile dans le CT, j'ai un bagaille de Fortiné, tout le monde connaît le rapport bataille nous avec bagaille de Fortiné, et Fanaise et la guerre, messieurs, dames, nous-mêmes qui là, nous pas connaît. J'ai un bagaille femme ça fait, dans nord-est, pour permettre président Jovenel arriver là, et puis je dis à moi, ouais, de ça, de raquettes politiques. Hein? C'est yo qui a joué tout privilège bataille moun mené. Moi-même déjà connais, comme dit tout le monde, combat m'a mené un président Jovenel, joué moi dans la bataille. Moi, j'ai 22 à 24 ans pour tout journaliste senior qui connaît depuis que m'a gouvé. Là, c'est que ce n'est pas président Jovenel qui mettait dans la bataille. Et comme dit, moi-même te dit, président Jovenel, même lui-même, il n'a pas qu'à faire me trahir. Jovenel n'a pas qu'à faire me contre lui. Parce que c'est idéologie, c'est conviction, c'est ça me croit. Que y a deux mouns qui m'a fassé idéologiquement, pas physiquement. Et parce que même pas attaquer nous physiquement. Idéologiquement parlant, moi dis, président Jovenel Moïse, c'est un monde pour nous supporter. Président Jovenel Moïse, c'est un monde pour nous accompagner, nous visionner, nous lutter, nous combattre à mener pour permettre définitivement pays à côté de ce petit côté là. Cependant, moi crois tout, président Jovenel Moïse vient de devoir, et me lancer appel ça, il y a devoir par le président Jovenel pour que lui-même, lui longe mais. By camarade, by moun kap supporte, pas jamais de pouvoir sans base, pas jamais de pouvoir sans idéologie, pas jamais de pouvoir sans partisan, sympathisant. En même temps, tout nous croyons li de droit pour que le président Jovenel ou réuni avec anciens militants, anciens moun qui te bataille malgré situation difficile, mais menons contre eux et pour permettre nous connaître qui ça, qui moyen. Qui stratégie que nous pouvons mettre en place par rapport à jour cap venir. Nous pas quoi c'est le moment pour gagner militant PHTK, militant PHTK cap boumé. Nous pas quoi c'est le moment pour gagner cap faire sortir c'est le plus gros chef parce que tel chef au détriment tel monde même penser c'est moment plus que jamais pour que tout monde qui t'est participé dans fondation pour permettre la président eh bien pour rencontre qui fait pour nous capable déterminer qui action, qui plan, qui vision que nous avons gagné, non seulement pour nous protéger tête nous, parce que nous ne pouvons pas livrer nous bail. Nous pensons nécessaire pour que nous tous ensemble, nous chita pour nous capables de brasser l'idée sur l'avenir.
pour nous recevoir ça nos parents parce que en pile jeune carrément pour appliquer activité ça mais pas de moyen nous comptons en pile et nous direction Baptiste Messe en pile pour ça que pour initiative là il te promet nous que il vient une réalité on nous capable d'environ un mois et demi il te promet nous de venir faire tourner pour te pour château d'eau dans commune là après ça que il te promet nous il pas de problème nous mois il vient une réalité sans sous ta vienne là un jour matin ou bien après-midi ou capable m'a besoin de tellement population te soif ça il commence à réaliser dans zone et commence à travailler sérieusement. C'est avec un pile satisfaction que nous recevons matériel yo. Donc nous connaissons et sport bon pour la santé donc nous encourager toutes jeunes tout monde qui en âge pour faire sport pour venir dans l'espace là pour venir faire sport avec monde mais nous souhaitons tout pour nous gagner moniteur tout des monde qui qualifié qui capoter mais faute à population même Jean monsieur fondation Eric Jean-Baptiste fait geste là avec mairie Payan Libanon gym ça donc nous t'a souhaité que des jeunes qui qualifié qui connent faire sport aider l'autre jeune venir faire sport dans l'espace là parce que l'on a fait sport il y a de mouvement qu'a fait qui permet que ou déranger quoi parfois sport là li bon pour corps c'est vrai mais il y a de mouvement qu'a fait qui permet que ou déranger quoi ou bien doit prendre un déchirure que ou pas même qu'on est même donc nous pense li a important pour nous gagner un moniteur qui pour accompagner le monde qui a envie faire sport yo, et puis plus structurer espace là c'est avec un pile joie que je dis à et nous n'en payons dans le cadre de yon promesse que nous avons fait, mon païen, nous avons tourné dans le pays à l'époque coronavirus, côté que nous avons venu porter matériel, bail qui pouvait protéger la vie. Là, nous avons cité ensemble avec le magistrat, il était déterminé pour nous-mêmes quelques projets que nous pensait qui sont importants et pour mon païen. Et c'est dans le cadre de ça que nous avons répondu à une série de projets. Et ça, c'est Youn là-dedans. Yo. Côté que nous venons là, je dis à là, pour nous venir faire inauguration Green Gym ça. Fon di moun yo bien que nous-mêmes dans la Fondation Eric Jean-Baptiste, dans RDNP, nous croyons dans la jeunesse. Nous croyons que sport, c'est une bagaille qui est capable utile communauté, utile pays. Non seulement il y a encouragé moun pour santé physique, ou, parce que l'on fait sport, bon bonne maladie que ou pas gagner mais en même temps tout il y a bon pour santé mentale parce que le corps en forme tête là a bon tout et lorsque jeune yo a fait sport gon bonne de activité que ou pas là dedans encore c'est-à-dire que yo fuit drogue moun k'ap fait sport connaît que ou pas capable prendre drogue quelque soit drogue que lié a c'est ça que fait nous même dans fondation et Jean-Baptiste grâce à support EDNP tout qui là ensemble avec nous et ben nous même nous pas petit cop que nous gagnons nous choisir pour nous investir dans bagaille qui bon pour communauté a nous pas investir dans mettre zam dans mes jeunes garçons nous investir dans à chercher côté l'argent pour nous faire faculté tant que ça n'a fait et dans Jacques Mel là n'a cherché côté l'argent pour nous mettre Green Gym là tant que ça n'a fait là que n'a pas rien nous chercher côté l'argent pour nous porter semences by planteur tant que ça nous fait dans Plaisance du Sud nous chercher côté l'argent pour nous identifier rue tant que toute rue cap haïtien que nous identifier ce travail ça yo que nous-mêmes nous avons réalisé et au niveau de tout pays a et je dis à là nous sommes ensemble avec pêcheurs dans en savo côté que nous pral mettre DCP pour eux et programme ça c'est un programme qui pral couvrir 10 communes que dans pays a côté que la fait en phase 1 n'a prend en savo n'a prend petite rivière n'a prend Belance n'a prend Dame Marie n'a prend Abricot Abricot avec Dame Marie dans moment n'a parlé là yo a finalisé pour que DCP yo là et dans moins que 30 à 40 jours DCP après ni Belance ni en savo ni ti rivière qui pour permettre que pêcheurs nous yo capable produit mieux et là produit mieux il y a prend plus poisson que dans la mer c'est économie zone qui a remonté c'est travail ça que nous même n'a fait dans fondation Eric Jean-Baptiste nous
Ah, c'est un projet qui coûte nous $10,000 américains. Mais $10,000 américains, il est subventionné. Parce que Green Gym, qui lui-même fait activité ça, ce n'est pas prix matériel. Mais comme Green Gym voulait participer, lui-même tout, il peut coûter mais par le bail, côté que lui remet nous que matériel a pris que de revient pour nous capables de réaliser ce qu'il est réalisé là. Il part que il vient inaugurer place là. Il vient pour distribution kit, mais il ne fait pas distribution kit là, autant que les gens qui sont en état déplorable, non, dépend pas de offrir, lui dit son petit bagage minime, lui porter pour femmes. Mais comme majorité à ces garçons, garçons obligés et participer. Mais si tu as plus de femmes, il est plus belle. La plupart des femmes, yo, le pape qui te commerce, gagner l'or qu'on perd $200 ou gain parole qui vaut $1,000,000 ou bien qui fait $200 pour entrer en parole qui vaut $1,000,000. Pour ce ça, Kounia, moi, place ça qui prépare la Kounia. Continuez plus devant parce que nous-mêmes tout, nous continuons avec vous. Parce que nous qui fait bon chemin, c'est avec nous continuer. Je ne pas féliciter les gens qui travaillent mal parce que moi, je travaille pour bien. On allait faire l'avant, m'a fait l'avant avec vous. Monsieur Jean-Baptiste, félicitations à toute sa foi. Merci. Cette promotion se considère comme le plus beau des chiffres, c'est la perfection. Dieu, à travers le prophète Élisée, dit à Naaman dans le livre de 2 Rois 5, le verset 10e, va te laver 7 fois dans le journée, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Donc le chiffre 7, c'est la pureté. Ça devient encore plus élégant lorsque nous déchiffrons nos 25 ans. On dit 2 plus 5, ça donne 7. Partout on trouve 7. C'est important. C'est pour répéter les paroles de notre premier IG de la promotion, Monsieur Francen Moreau. Il était aussi ancien directeur de l'Académie. Eh bien, il n'est pas donné à toute promotion d'avoir ce privilège. Ce qui revient à dire, nous, les membres de la 7e, nous n'avons pas à nous enorgueillir par cette marque de pureté. De préférence, travaillons de mieux en mieux pour pouvoir aider les jeunes policiers et tous ceux désireux d'intégrer le corps de police. Classiquement, il y a une pile vision pour la police. Et nous-mêmes qui là, nous avons un paquet de bagailles que nous avons dit à nous. Et d'autant plus, chacun de nous-mêmes qui l'a pas plié. Nous sommes responsables ou bien nous responsables adjoints. Pays a compté sur nous. Et chaque fois que je passe en côté, moi, un policier qui sort de la classe ou bien qui fait partie de la crème des crèmes, ça se fait en pile. Et par jambou qui est ces policiers, malgré que nous connaissons la situation, pas finement. Mais c'est la seule institution qui était digne et noble dans le pays. Et nous-mêmes, promotion 7, nous n'avons pas qu'à nous-mêmes là, comme nous déjà avons
Nous gagnons un petit commando là, dans le pays, il fait partie de la classe 7. Et chacun de nous-mêmes qui est là, qui se tient dans la classe 7 là, nous serions bons. Alors nous ne pouvons pas regretter comme ça, non? Alors nous avons trop de bagages pour nous dire, ça nous m'a dit, mes amis, chacun de nous-mêmes qui fait partie de la police dans là, qui nous retraite nous aller, nous l'a toujours pas oublié, nous ces policiers pour la vie. Alors je vous remercie, la Dieu de Guinée, alors la police, moi, précieux qui l'a, et frère Maxou, l'inspecteur, vous m'en des messes. Mes amis, ça nous-mêmes, ça va la réaliser là. Je retire le chapeau bien bas au nom de classe là pour remercier tout le monde qui rend fête ça. Ils ont fait 12 décembre 95 à 12 décembre 2020, l'IPA ils ont joué. Merci. C'est plaisir la peur. Au travail, vous brébis. Vous faites le travail de vous, pas besoin. Mais, et ça fait son travail, vous forcez. Ce n'est pas vous qui avez fait, mais vous forcez vous-même. Deuxièmement, vous qui vous la peine de mort, vous dites, à chaque pas au gouvernement, prison en vide, que ça va exister. Ce n'est pas bien fait pour forcer exister, mais pas vrai, parce que comment président tombe, tout le monde a la gagne. Donc ça va demander donc franchement, lui préoccuper le comité en pile. Le comité a carrément mes opinions chaque monde séparément la question peine de mort avec peine de travail forcé à perpétuité. On a intervenu dans la semaine dernière là. Et particulièrement délégation de la centrale, il y a des accents sur un point pour que tout le monde là capable de comprendre l'importance de nécessité. C'est que collectivité territoriale, le noir type de la constitution, hein, qui dit au tournoi indépendant. Cependant, bon, on est dans la fédération dernière, il y a vraiment pile baguette comme quoi. Collectivité territoriale, c'est parce que à en trouver un système noir. Ce qui veut dire que sur en finance, c'est comme quoi on dépend totalement, soit du ministère de l'Intérieur, soit des crimes. Alors c'est comme quoi le plein est fini, alors que le développement est à la base pour le faire. Donc toute population, pour une section criminelle, mais je ne suis pas satisfait parce que collectivité de l'Ukraine a gagné des moyens, d'où nécessité pour une renforcer la gouvernance et avec des moyens, et que ce n'est pas comme ça le fait jusqu'à présent. Et deuxièmement, il était posé problème au plus comme capital. Peut-être plusieurs pays ont arrivé les autres problèmes, à savoir. Toute l'administration publique la concentre à la capitale. Alors, il y a des équipes. Ça veut dire que, sur une géographie, si bon, on reste le théon, on vit à exploser, à imploser, à tout fait même, avec quoi démographie, quoi activité économique et autres, alors que, commune, dans le département de nous, comme par
toujours des questions pour déplacer quelques services publics dans des communes, soit avoisinantes, dans l'arrière-pays, juste pour faciliter l'offre des services aux gens occupés du pays. Alors, nous trouvons que moins ça a été un débat important parce que la décentralisation, si nous font un rôle, faut pas de la part concentrée premièrement dans la capitale nationale et deuxièmement, nous ne pouvons pas au moins son ville d'Amérique en toilette. Parce que je dis par exemple Chili, je dis par exemple Afrique du Sud, ce sont des pays qui ont été gouvernement, et maintenant, c'est le gouvernement anglais, et puis parlons dans l'autre ville, telle institution spécialisée dans telle ville. Donc ça veut dire une dynamique spatiale côté que pas gagné en étouffement dans le capital actuellement. Ça permet commune, département de l'arrière-pays et des endroits qui créent les gens de la région. Alors en un mot, ça vient dans un service d'État plus efficace, c'est-à-dire des services de proximité, et en même temps une question stratégique, comme on l'a dit, pour nos pays, côté que ici c'est énorme, alors les tous ceux par un même panier, c'est déjà en forme de sécurité. Alors double point, c'est important parce que nous fonctionnons mal avec la République de Port-au-Prince, donc il dit ça au niveau. Le loi sur collectivité territoriale a dit un paquet de bagailles, l'aime, l'élite, belle bagaille, mais il y a une bagaille d'aubaine, mais il paraît fou parce que il n'y a pas d'aucune application. Documentation que nous déchets, et c'est sur base documentation ça que nous avons choisi mettre des projecteurs sous conseil de points qui méritent plus d'éclaircissement, plus précision. Et nous avons choisi trois axes de réflexion ou de travail. Le premier axe là, c'était régime politique. Deuxième axe là, c'est gouvernance administrative. Et troisième axe là, c'est la question qui est liée à l'exercice de la souveraineté, à l'exercice de la citoyenneté. Après jusque qu'on quinzaine de rencontres que nous réalisons, nous avons dit de faire un état de bilan ou bien des grandes tendances, parfois qui confirmaient les tendances qui étaient déjà dessinées dans notre travail. Donc pour le régime politique, une grande tendance là, c'est au régime présidentialiste. Donc, c'est que, on a sorti dans un régime parlementaire ou ni parlementaire ni présidentialiste, donc il va passer au régime présidentialiste pur, côté que président qui fait campagne, qui dépend engagement devant la population qui vote, et que il est capable de rendre compte devant la population et parmi les rencontres de majeurs. Donc c'est dans ça qui est dégagé. Maintenant, il y a deux questions qui proposent vraiment résoudre, mais qui n'en débarrassent. Il y a dans la région politique là, notamment en ce qui concerne le pouvoir exécutif. Tout le monde d'accord avec mon président, et qui part seulement là pour observer, mais qui a gouverné. Tout le monde d'accord. Et qui a dirigé. Maintenant, ces questions. Second personnage qui est cabiné en second président. Mon premier hypothèse, c'est un vice-président qui a fait campagne à Saint-Mandel, donc c'est un modèle qui existait déjà. Donc ça, il est très très fort et vigné constamment dans l'institution. Bon, l'autre tendance tout, qui dit que force premier ministre là est capable de conserver. Et problème dans le désigné, qui quand le problème de désigné, c'est le problème de nomination. Et c'est le type de nomination qui est objet de chantage, objet de toute forme de d'incohérence, qui fait que vous pouvez vivre dans un chantage que le gouvernement d'étranger, c'est-à-dire que le gouvernement
puis c'est Dimitri Poufella, ensuite il voulait négocier tout poste de ministre et de direction générale, poste de la diplomatie et dans les autres fonctions. Côté que c'est important pour être capable de passer et pour être capable de gratifier. Donc, d'après les hypothèses là, si vous changez votre nomination, donc côté que le président est capable de nommer le premier ministre et révoquer le vœu, donc à ce moment-là, vous déplacez complètement par le gouvernement national. Donc ça, c'est le premier, ça c'est deux hypothèses qui là, et le comité a beaucoup vraiment tranché sous deux hypothèses là. Et il était difficile de pour trancher sur ça. Et en ce qui concerne le Parlement, donc tendance qui forte, qui est vraiment en doute, intervention et qui est vraiment radicale, c'est passer à la chambre de bicamérale, donc la chambre des députés au Sénat, à la chambre monocamérale. Sur ça, c'est comme pour tout le monde, c'est loin du temps. Maintenant, il y a l'autre question qui est en discussion. L'on retire le Sénat, le sénateur qui n'a déjà son parlement. Et le monde qui gagne, qui remet, parce que le Sénat, ce n'est pas seulement une structure qui est là, dans cette chambre, il faut participer à tout l'imaginaire. Il y a toutes les projections qui sont faites sur lui. Donc, comment on peut le faire pour capable d'adresser leur problème de frustration que ça est capable de continuer. Donc, là encore, il y a de réflexion, de discussion. Et probablement, on a bien, bon, c'est pas complètement décidé, que les gens qui concernés, qui ont expérience dans la question sénat, on a bien fondé la forme de vous, pour être capable de valider la question avec eux et ouais, qui. Réaménagement possible pour le monde qui l'a eu et le monde qui a l'intention d'une sénateur lui-même, donc qui s'en est capable d'offrir comme perspective. Pour justice là, et bon, on consensus que Jean Cadémès, Constitution Cadémès, cette là, était aménagé justice là, il est quand même indépendant du système, de politique là. Puisque c'est politique-là qui, dans l'article 175, qui parlait de. Pardon, qui va songer, qui a dit dans le système mondial, dans l'article 175, qui était reproduit, c'est que c'est politique qui fait intervention de nomination. Juge de paix, c'est l'assemblée communale, et pour première instance, et pour l'appel, c'est l'assemblée départementale. Et puis pour juste pour la cassation, c'est Sénat. Tout le monde m'a rencontré que de ces monde, que ces structures, ils ont parlé de niveau pour le monde occuper des postes dans le pays. C'est vrai que nous avons rencontré avec l'OVC, parce que nous travaillons de manière très ouverte. Moi, je ne sais pas un travail qu'on fait pour nous, c'est un travail communautaire. Et nous tenons compte de contexte qui est assez difficile. Donc, c'est vrai que c'est des acquis démocratiques. Mais vous avez convenu avec moi que la population tout regardez ce qui est le résultat qui est le lieu global. Nous ne pas dire que par contre nous nous reprenons, mais vous demandez tout le monde que nous rencontrons et nous disons que nous mettons nos niveaux pour occuper des postes dans le pays. Vous avez ça? Ça veut dire que c'est une loi qui a dit qu'il faut pour tel monde, etc. Mais ça, c'est un principe qui fait l'unanimité. Deuxième principe qui fait l'unanimité encore. C'est le principe de gouvernance, instabilité politique, tout le monde a une élection à nos points de vue. Donc, il faut que mon mandat, si c'est tout le monde a une élection ensemble, si c'est son mandat 4 ans, si c'est son mandat 5 ans, pour question, vous prenez, est-ce que va bien vite pendant l'élection d'aller organiser pour renouveler les acteurs et actrices et politiques, ça c'est la loi Guinée politique qui s'adapte. Nous prenons que le roi même n'est pas qu'à rentrer dans tout le détail. Mais il y a des principes fondamentaux sur lesquels on doit se baser, des principes qui tiennent compte des désidératas, des attentes, des parties de frustration, des mécontentements de population, parce que c'est lui-même qui va nous mandat pour exercer ce que l'on dit ça, de gagner un retour de ça. Donc pour question de la justice, nous devons rencontrer CSPJ. Nous devons rencontrer des organismes qui travaillent en fait, dans la société civile, pas de monde qui
travail sur l'université, pour nous qui avons une question de l'université, dans la course en travail. Et nous avons une conférence des recteurs et présidents de l'université, des universités haïtiennes. Nous-mêmes, nous devons faire un travail auprès de toute population qui sortit de la course en travail pour remettre nos documents qui viennent des recommandations pour la donne. Et bien, une recommandation de faire, c'est pour permettre que question président, ça veut dire si vous vice-président, négligent pour faire, si vous voulez qu'il y ait question premier ministre, négligent pour faire. C'est procédure, nous n'avons pas de problème avec le premier ministre en soi ou bien vice-président, mais c'est la façon d'accéder au pouvoir. Quand on a élu un président qui n'a pas un premier ministre ou bien vice-président. Donc, je vais parler de ça. Quand nous disons, il y a une préoccupation pour ces questions d'échange. Il n'est pas normal que nous devons occuper un poste dans le pays où, et puis qu'on est à la maison, ou bien on n'est pas capable d'accéder à d'autres postes encore, ou pas capable. Il y a une protection, donc ça veut dire que sont atteints à l'identité de nous, à la possibilité économique. Donc, vous devez parler de ça. Comme on dit, nous, c'est pas de nous qu'on s'est rencontré. On a rencontré les anciens parlementaires de la 50e législature. Et nous avons pris le soin pour rencontrer de lui qui était au cœur des débats. C'est-à-dire que tout époque, pays, donc, tout problème que nous connaissons, que nous dégagnons, qu'un de nous qui était député dans l'époque, ça, qui était participé dans la commission de la CAIPO sous réforme de la Constitution. Donc nous, ça, c'est de nous qui était acteur. Et puis des spectateurs, parce qu'avant d'être un député, ou c'est un citoyen ou son citoyen. Donc, on a rencontré une femme ou un garçon dans cette ancienne législature-là qui était pour parler. Et c'est eux encore hein, qui dit que c'est important, même si nous ne savons pas qui niveau d'études pour nous faire, mais il est important pour nous mettre niveau pour nous gagner pour qu'on puisse occuper les postes. Donc, ça, c'est à nous dire, ces populations. Avec l'autre cas encore, je vais parler de lui, c'est que sont la peine de mort. Le livre est sur ça. Le livre est donc nous connaissons par rapport à l'effritement des valeurs, par rapport à tout ça nous gagnons, nous vivons dans le pays, nous comprenons que nous avons fini, que nous avons aimé pour retourner avec la question de peine de mort. Mais nous avons pris sans nous nous parler, tout le monde nous dit que peine de mort, qui s'est déchargé derrière lui, nous avons une propriété, et pour nous avoir qui nous dit un problème, une opinion politique, nous avons mettre une accusation. Sous le dos, nous disons, oui, il y a un kidnapping, oui, il y a un kidnapping, oui, il y a une séquestration, et puis on a peine de mort, ça vient appliquer, et il y a des mêmes conseils de gros procès qui ont gagné, mais au final, il y a des condamnés, nous avons pu aller, il y a des détails que nous avons tenu compte de lui, qui vient faire que nous savons dans l'insécurité déjà. Et nous-mêmes, nous avons une tradition, une culture, nous avons une question de la politique, tout, que nous devons tenir compte de lui. Donc tout ça, c'est des questions, ce n'est pas nous poser, c'est nous qui poser à travers des recommandations. Et nous-mêmes, comme nous, nous avons annoncé réserver les acquis démocratiques, nous sommes obligés de tenir compte, nous devons tenir compte de lui. Parce qu'avant, nous avons communiqué à nous, c'est des citoyens pour. Et dernier, nous avons parti. C'est que nous gagnons ça permet de nous qui obligation en plus que nous gagnons pour nous permettre que projet ça, comme on te dit déjà, nous avons parlé pour l'Académie créole capable d'impliquer là-dedans. C'est de manière à ce que nous qui plus loin dans la population, par le biais de l'OPC, par le biais des collectivités territoriales, pour arriver des associations qui n'ont qui plus loin, qui peuvent arriver à proposer de projet ça, pour permettre que nous fassions tout ça capable pour son travail qui implique tout le monde. De manière à ce que par les barrières qui brillent, par les barrières qui n'ont fait, qui partent tout le monde de sa population, par les mêmes qui intégrent dans le projet de constitution. Choisi et présenter nous dans la réunion pour nous bien sûr que quelques questions ont été posées nous et pour nous donner une opinion par nous. Et une recommandation que nous avons, c'est que nous avons dit que l'État souhaitable pour demander, solliciter tout secteur qui est dans le pays pour proposer
on procès de constitution. Pour ce pas et bien même yo ta fait synthèse là, pour ce pas même qui prend toute responsabilité fait là. Pour qu'on a chaque secteur dans la société a ta préparé et puis yo pote le ba yo et puis yo même yo mettez tout ensemble pour yo font bagay. Ça peut être ta gen doit ba population plus confiance dans le travail qui ka fait là, parce que gon manque de confiance qui très acerbe dans le processus là. Nous même dans le secteur vaudois, nous quand même de préoccupation sur la constitution 87 là, nous faisons un diagnostic de ça qui dit et ça qui présente comme handicap dans la constitution 87 là. Bon, pas tellement vérité pour nous parler de constitution 87 là. C'est une opportunité pour nous faire une autre condition pour nous vivre ensemble, qui c'est sa constitution. En nous, comment nous avons tous mis les mains là-dedans, et puis pour qu'on y ait, pour nous sortir avec un document, côté que tout chaque grand haïtien d'accord avec elle. OK, et que yo wè que la bon pour chaque grand haïtien et que n'a joine quel content n'a joine bonheur nous la donne, puisque c'est ça qui est important. Puis gon préoccupation c'est question de confiance là, et pour moi pour nous pallier à problème de confiance là, c'est pour nous fondre ta très souhaitable pour demain matin là ou bien la semaine qui vient, chaque secteur dans population, chaque secteur dans société a présenté un document un projet de constitution, et bien là ça yo même comme comité, yo ta rassemblé, yo ta mette tout ensemble, et puis qu'on est venu avec une synthèse. Pour bon, on a espéré que c'est route ça yo prend et qui t'a permettre que gagnez confiance dans le document qui va faire là, qui va marier nous pendant pour minimum 50 ans. Moi-même, c'est ça de la carrière un événement qui, dans le premier temps, pas bonne impression que c'est un gros bagage. Pas bonne impression que c'est un sens. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il fait dans la prison. Et parce que ici, nous connaissons problème prison, sont l'autre problème lié, sont questions vraiment secondaires et pourtant sont questions fondamentales. Et je dis, nous, dans la semaine de commémoration des droits de l'homme, le ministre Jesse Menos, qui est le gouvernement chargé des droits de l'homme, lui était décidé avec l'équipe, avec le ministère, là, avec Primature, avec le ministre qui s'est conseillère présidentielle, Rosanne Auguste, et toujours dans l'affaire de Douamoun, et ils ont décidé de rendre prisonniers qui, dans le pénitentiaire national, un hommage, faire une solidarité avec eux. Nous connaissons que grand pile institution qui travaille avec les prisonniers, il y a un OPC qui travaille avec eux, il y a un BINU qui travaille avec eux, là nous avons un représentant BINU qui est là. Gagnent organisme humain qui là qui travaille avec eux, gagnent direction qui là et nous qui encadre ou qui très immédiat. Mais ça me d'accord pas dire surtout un événement. Moi-même en tant que ministre culture, c'est expérience personnelle moi fait. Je dis pour me rentrer dans le pénitencier qui c'est une institution pénitentiaire qui connue vraiment dans le monde, qui fait parler de l'Empile durant les 25 dernières années. Et moi entrer là, moi t'as regardé le degré de solidarité qui fait avec eux. Et à travers une bonne personnalité, à travers un paquet d'institutions tout, qui viennent solidaires de eux dans l'année ça là. Côté droits humains, il n'y a pas seulement une question théorique, une question de parole, mais une question tout de pratique, une question de vécu, d'expérience. Donc sur le terrain, je dis, ou après, je dis à dimanche 13 décembre, après. Je ne me trompe pas, c'était 3 jours après le jour mondial, qui c'est 10 décembre, mais 3 jours après, nous venons là et nous venons assister à une belle cérémonie. C'est une belle cérémonie d'ailleurs qui rend hommage à Gérard Groupe, qui est pionnier dans le domaine de la monde, qui mourit et qui joignit au funérail national jeudi dernier. Et funérail, ça, nous sommes capables de dire, Groupe, il est parti en paix. Et au fait, Gérard Groupe est parti comme il a vécu. Chance pour lui, lui vive un monde qui était fondamentalement gourmand pour le droit de l'homme, donc pour la paix, et il est parti en paix. Maintenant, nous-mêmes, je dis, nous venons là, nous voyons que pendant le rendre hommage à Gou comme pionnier des droits humains, nous voyons tout que c'est une véritable solidarité qui fait tout avec les prisonniers, surtout ça qui est un talent. Je dis, un jour spécial lié pour moi. Et pour tout le monde aussi, parce que aujourd'hui nous venons fêter dans la prison, nous venons célébrer la journée droit à monde dans la prison qui c'était normalement le 10 décembre, le jeudi 10 décembre, mais
nous venons célébrer les jeudiens qui c'est dimanche 13 parce que pendant la semaine nous ne sommes pas capables de venir, mais jeudiens nous venons célébrer là avec prisonniers. Pour quelle raison que nous choisissons célébrer jour ça, qui c'est journée droit à monde, parce que nous devons montrer que tout le monde c'est monde. Et j'aime ce grandien, droit à monde c'est ça fait tout le monde, c'est ça fait chaque monde. C'est droit, monde qui est en prison et tout. Et c'est peut-être ça, c'est ça qui justifie la présence de nos jeudiens. Alors bien sûr, nous connaissons que rester en prison, c'est son cadre qui n'est pas un avantage aucun monde parce que les personnes sont privées de liberté. Mais cependant, tout gagne de fois, tout gagne de monde qui est en prison, tout que c'est des peines qu'il y a purgé tout. Alors, mais de ça, tout qui au moins l'espoir qu'il y a sorti de matin, il y a le vivre dans l'autre monde. Donc de ce fait, moi-même en tant que ministre de la monde, je suis associé avec le ministre culture là, via la Bibliothèque nationale, côté que nous faire des travaux, des ateliers d'écriture et de peinture que nous sommes capables de voir là tout à l'heure parce que c'est un talent. C'est parce que nous sommes en prison que nous faisons des choses mal, nous sommes capables de voir ça et que nous n'avons pas de talent. Et talent, ça nous fait découvrir parce que nous venons côté en prison pour un petit joie dans le cœur parce que c'est mon lieu et toi avant tout. Et le droit, le plus, étant donné que vous privez le droit à la liberté, donc au moins, nous avons un petit droit qui est le loisir dans tout, pour être capable de nous divertir, pour nous recréer, pour être capable de recréer pour demain matin pour nous sortir, pour connaître que la vie n'est pas faite de ça qui était gagné avant, mais la vie est faite de toutes belles bagailles qui existent. Normalement, je dis à ce jour international des droits humains. Donc, quand une international des droits humains, l'administration pénitentiaire est disposée par la participation par les côtés que l'on fait tout dès qu'il y a là, comme nous, il s'est débrouillé juste ça. Et nous-mêmes, en dans le système, non, étant donné que nous respectons les droits des détenus. Et c'est à cause de ça nous qui pouvons capable de voir que les détenus, en premier lieu, ils ont un livre écrit, ils ont fait tableau, etc. Et autres. Et pour arriver dans le niveau ça, à côté qu'on a écrit le livre, il faut qu'on puisse penser. Et pour penser, il faut sentir qu'on a confiance. Pour penser, il faut sentir qu'on a avec qui est-ce que tu dois. Donc nous-mêmes, en dans le système, nous offrons des détenus, tout le bagage, ça, ça fait que Josia ou Vin là, ou est que des détenus très détendus, des détenus à l'aise pour passer le moment, ça n'a aucun problème. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.